Salut, allez c'est Seb, Aujourd'hui on va vous parler matériel et je vais vous parler de quoi De site mover. Alors comme vous l'avez vu peut-être sur l'affiche et comme vous avez vu peut-être sur mon ancienne, euh, ma précédente vidéo sur Air Factor 2, euh, oui je me suis procuré un site mover. Alors je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment. Et je vais commencer tout déjà d'abord par remercier Mika. Mika forcément la petite dédicace, tu t'en doutes, c'est à cause ou grâce, ça dépend dans quel cas où vous vous situez. Moi je vais dire grâce, grâce à Mika qui m'a fait un rappel. Il y avait une annonce sur euh, Facebook euh, de vente de ce site mover de NG Motion, le compact R, euh, et je l'avais vu. Mais comme pas mal de fois, ce que je fais quand je vois des choses comme ça, c'est que j'esquive assez rapidement. Pour revenir sur l'historique, il est vrai que euh, j'avais déjà acheté le NLR V3. Euh, sur amazon très rapidement c'était dans une période où je ne savais pas trop ce que je voulais acheter en fait disons que j'avais un petit budget et euh, je voulais j'avais pas mal de choses en vue euh, malheureusement, euh, il faut savoir, c'est que ce type d'engin, tout comme la VR, ça demande beaucoup de réglages au départ. Énormément de réglages pour peaufiner, affiner et les avoir, euh, avoir les, les sensations où vous voulez. Parce que ça peut très vite, comme la VR, hein, vous dégoûter un petit peu de ce périphérique. Donc je l'avais acheté, je l'avais installé, un bordel pas possible, parce qu'il faut savoir que le NLR V3, euh, il est fixé sur le châssis. Là, le NG Motion, il est posé à terre. Donc, ça fait une différence pour l'installation. Je ne vous le cache pas, c'est bien plus simple de mettre le NG Motion que le NLR V3. Donc, ça, c'est une chose. Donc, le euh, NLR V3, je l'ai gardé peut-être 5-6 jours. Et il a... Il, en fait, euh, il n'est pas resté très longtemps. Je l'ai vite revendu. Enfin, en tout cas, je l'ai vite retourné sur Amazon. Donc, euh, pourquoi je suis parti sur celui-là Tout simplement parce que bah, c'était une très bonne occasion. Donc du coup, je l'ai acheté euh, sur euh, Facebook. Alors c'était, alors je vous le cache pas, hein, c'était un peu compliqué parce que ce genre d'engin à livrer, c'est trop, trop lourd. Enfin, ça fait 40 kg, hein, Je vous le cache pas. Donc c'est très compliqué. Euh, et du coup, je me suis aperçu qu'en fait, c'était à deux heures de route de chez moi. Donc deux heures, tu fais deux heures aller, 2 heures retour. Euh, bref, ça fait 4 heures de route. Vous avez bien fait le calcul comme moi. C'est pas forcément évident. Mais pour ce genre d'engin, euh, je voulais déjà le tester moi-même sur quelqu'un qui l'avait déjà installé. Pour lequel il était content donc nico si tu me vois si tu passes par là salut et merci à toi une personne superbe adorable franchement on a je vais pas dire sympathisé mais il ya bon, en même temps la même la même passion forcément ça ça rapproche mais bon tout le monde peut pas forcément euh, s'encadrer enfin voilà il peut y avoir des, des affinités mais en tout cas Personne très sympathique et qui délaisse un petit peu le simu pour la piste réelle en rallye donc euh, voilà forcément vous savez peut-être mais ça coûte énormément euh, alors du coup très sympathique il m'a bien expliqué euh, il répondait très rapidement et du coup ça m'a permis donc d'avoir confiance et de le lancer le pas sur ce NG Motion qui était encore euh, comment de, de sous garantie et qui était vendu à prix raisonnable là où beaucoup de monde trop de monde euh, vend des choses euh, trop cher à mon sens après chacun fait comme il veut s'il y a des acheteurs c'est pas mon problème, mais enfin bref, je vais revenir donc au sujet de cette plateforme NG Motion Air. Je pensais à la base que c'était chinois, mais non, c'est espagnol. Donc voilà les raisons pour lesquelles je voulais me lancer là-dedans. En gros, c'est la dernière pièce du puzzle, en fait, du SIMU. Euh, c'était le dernier truc qui me manquait. Euh, et là, je pense que j'ai tout. Alors, c'est toujours pareil. Euh, je pense que, comme tout le monde, un SIMU, euh, il n'est jamais terminé. C'est bien, bien un peu ça le problème, c'est qu'en fait, on veut toujours upgrader. Et le souci, c'est qu'en fait, il faut à chaque fois se remettre au truc. C'est-à-dire que là, forcément, il faut se réadapter, tout comme un volant et un, une base, ou comme un pédalier, il faut se réhabituer. Et du coup, on repère en performance, on repère en habitude. Voilà, c'est toujours un truc sans fin. Donc, c'est pour ça que je dis là, euh, cette vidéo en sera témoin. Je vais m'arrêter pour 2024 sur les achats superflus ou des achats pour lesquels je n'ai pas d'utilité. Euh, on peut toujours ajouter des bricoles à 30-40 euros. Enfin, j'exagère, mais... Là, c'est un beau billet quand même, donc il faut quand même avoir euh, conscience du truc et pas se dire euh, je le fais parce que bon, il me reste un peu d'argent. Non, non, il faut vraiment avoir conscience et tous ceux que j'ai vu passer, que j'ai entendu parler de ces plateformes euh, de mouvement, en étaient contents. Après, c'est une histoire de réglage. Donc là, le NG Motion, je vous mettrai des, petits, des petites affiches, des petites vignettes ici pour illustrer. Le NG Motion R, c'est un 2DOF. 2DOF, c'est pour le degré de mouvement. Donc il y a plusieurs. Sur le 2DOF, ici, sur le NG Motion, il y a du surge, ce qu'on appelle c'est l'accélération. Donc accélération, freinage. Il Et ensuite, de l'autre côté, le sway. Donc ça, c'est les forces euh, latérales, donc gauche et droite, qui simulent forcément les G par rapport... À la trajectoire du véhicule. Et enfin, il y a le IV qui existe. Le IV, c'est en fait les mouvements de la caisse euh, par rapport au boss, par rapport au dénivelé, toutes les choses comme ça. Mais bon, sur un 2DOF, je ne vois même pas vraiment ce que ça fait. 2, ça veut dire 2DOF, 2 axes. Donc pour moi, c'est euh, basculement gauche, droite, latéral et l'accélération euh, et freinage sur l'axe sur opposé. Donc euh, voilà en gros le 2DOF ce que ça apporte. Alors il y a d'autres choses. Hein. Il y a, comme je vous cité précédemment, il y a le. En, en, en même style, entre guillemets, le NLRV3 qui je crois est passé à plus de 2700 euros, je sais plus. Enfin, il a augmenté énormément. Ensuite, il y a euh, le GCL euh, Fury V3, je sais plus. Bah, c'est celui-là, tu euh, Lui, c'est des gros qu'il qui a derrière, mais bon, il faut une place énorme. Et lui, à mon avis, euh, en termes de réactivité, c'est encore à notre level, mais c'est pareil. C'est pas le même prix. Et alors, ensuite, il y a les euh, les dix box ou je sais plus. Enfin, euh, là, c'est toute la plateforme qui bouge. Et là, je vous cache pas que moi, ça m'intéresse pas dans un sens. Déjà de une, c'est plus cher, ça doit être 4000 euros. Euh, mais c'est surtout le problème pour moi à mon sens, c'est que euh, ça peut être trop violent. En fait, euh, toutes les bosses, on ressent tout et c'est là où moi ça pose problème. Alors peut-être qu'on peut le gérer, mais de toute façon ça ne rentrait pas dans mon budget. Donc euh, voilà, c euh, ça être là au moins au niveau du choix. Souvent le budget, euh, c'est un des critères qui peut vous permettre de faire des choix. Et là, chez moi, c'est clairement ça a été le cas. Donc voilà euh, pour l'historique. Maintenant, je vais vous présenter vite fait le logiciel et ensuite des petites comparaisons avec les différentes SIMU. C'est parti Alors donc le logiciel qui s'appelle SimTools et qui est dans sa version, si je ne me dis pas de bêtises, 3 en version bêta. J'avais la version précédente au tout début, un vrai bordel. Alors très honnêtement, euh, c'est à vous dégoûter du matériel, c'est-à-dire qu'il fallait ouvrir le logiciel, il y avait deux logiciels qui s'ouvraient, ça partait dans tous les sens, il y avait des cures sur des chiffres, bref c'était une catastrophe. Là ils ont sorti la version 3. Heureusement que je l'ai eu, enfin heureusement que je suis tombé dessus et que j'ai vu des tutos parce que sinon c'est même pas la peine. Donc là vous voyez, vous avez l'arborescence des jeux que vous avez. Si vous voulez un autre jeu, hop, plugin, vous cliquez dessus. Voilà, vous avez tous les jeux, on peut même en installer d'autres, hein. les principaux jeux ici qui sont d'ores et déjà dispo. Vous cliquez dessus, il installe, il préconfigure et après c'est parti. Tout pareil pour l'installation. Rien de compliqué, là vous mettre, euh, il suffit juste de mettre repos, de cliquer ici. il Vous nous donnez la, la plateforme que vous avez, il vous la configure, il vous trouve euh, le port sur lequel il est raccordé, il vous trouve euh, les réglages, enfin les, bref, tout se fait automatiquement. Là où avant c'était bien plus compliqué, et du premier coup sur la version 2, il me semble que ça marchait pas. La 3, il m'a tout trouvé tout de suite. En Suisse, ici, ce n'est pas grave, il n'y a rien de, rien de particulier, les plugins, il n'y a rien d'exceptionnel, de, les skins également. Moi, j'ai laissé ça de base, franchement, je ne touche à rien pour l'instant, tout fonctionne. Imaginons, que je vais prendre un jeu, Alors, on s'en fout, on va prendre RF2, Alors, il démarre automatiquement. Le problème, c'est que si vous voulez faire des modifications euh, dans les axes ou dans les forces de moteur, il faut euh, arrêter le plugin, euh, modifier les, les valeurs et l'enregistrer forcément et relancer le logiciel. Bon, il voilà, suffit de le savoir, une fois que je pense que tout est réglé, vous pouvez euh, affiner. Donc, on va aller ici sur les, euh, le petit symbole de mouvement. Il suffit juste de faire star, mais de toute façon, ça se démarre tout seul dès que vous lancez le jeu. Ici, on est sur les axes. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, il n'y a que deux deux axes, left and right. Il n'y a vraiment que deux accès. Alors, me demandez pas à quoi tout correspond, c'est assez compliqué. Vous avez juste à modifier, c'est ici le pourcentage, je suis à 65%, euh, et c'est deux forces combinées qui donnent une direction. Donc, il faut mettre cette configuration-là sur le 2 pour avoir quelque chose de cohérent. Si vous vous trompez sur des axes ici inversés ou non, ça peut, euh, quand vous freinez, soit partir à gauche, soit partir en arrière, enfin bref, ça peut vous inverser tout. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, vous avez des exemples sur, euh, sur le net, vous avez tout ce qu'il faut. Il y a pas de souci. Donc ça, c'est la réactivité, et la puissance des moteurs. 65, 65. Il faut pas mettre trop non plus, parce qu'après, on peut saturer, comme dans tout, hein, comme les moteurs aussi euh, euh, de vos bases. Si vous le mettez trop fort, vous allez avoir du clipping, perdre des infos. Bref, voilà. C'est un, un petit peu près la même. Après, ce que j'ai compris, la même chose. Euh, ici à droite, c'est les forces générales de votre profil. Plus vo... ça, on peut le faire à la volée. Hein. Même pendant le jeu, c'est pas gênant. Plus vous l'augmentez, plus ça va tabasser. Plus vous descendez forcément, et plus ce sera un petit peu soft. Donc, ça c'est en gros. Vous pouvez faire du test comme je vous ai montré précédemment. Ça c'est où ça dépend dans le montage. Euh, quoi d'autre Stop testing. Ici vous avez les pré-configurations. Moi j'ai du fort et du moyen. Ça vous permet de faire ça. Vous pouvez le changer aussi à la volée. Donc, une fois que c'est bien configuré ici dans vos réglages de moteur, vous n'avez plus qu'à changer soit ici, soit là en bas. Donc, ça en plug and play ça marche très bien. Ensuite, il y a les trois boutons. Si je peux, vous les mettrai euh, trois boutons qui permettent de gérer les petites, enfin euh, la réactivité des moteurs sur les faibles distances, la réactivité des moteurs, tout ce que j'ai compris, hein, c'est encore un peu ambigu euh, sur des longues distances, donc peut-être les basculements gauche droite, euh, et enfin le dernier, c'est sur euh, la l'amplitude la, des moteurs. Voilà en gros ce que j'ai compris de ce que m'a dit euh, le mec de chez NJ euh, que j'ai contacté sur WhatsApp et qui répond, euh, mais vraiment très rapidement. Bon, c'est en espagnol, mais bon, Google Trad vous aidera, c'est ce que j'ai fait, il n'y a pas de souci. Donc franchement, il m'a vraiment aidé, alors que ce n'est pas un produit que j'ai acheté neuf chez lui, hein, c'est un produit que j'ai acheté d'occasion, je lui ai dit, il m'a aidé pour la licence, il m'a enfin, voilà, aidé pour pas mal de choses. Donc à ce niveau-là, franchement, très sympa, très actif. Donc c'est encore aussi un bon point pour ceux qui souhaitent acheter euh, la version d'occasion ou neuve de ce produit. C'est très très euh, intéressant d'avoir un... Un SAV qui, qui répond, ou un support qui répond très rapidement. Donc, en termes de logiciel, ça peut faire peur, ça je vous le dis clairement, mais il faut bien prendre le temps de faire tous les réglages. Et comme vous allez voir sur le gameplay, tout n'est pas réglé aux petits oignons, donc voilà, il y a encore des choses à faire, mais bon, selon euh, le, la simu auquel je joue le plus, c'est là où je, je m'attarde le plus sur les réglages. Donc, on va partir euh, sur du gameplay. On ne va pas perdre plus de temps. Encore une fois, je précise, ce sont mes réglages. C'est pas définitif à 100%, mais je voulais au moins vous faire cette vidéo pour le présenter. Il y aura peut-être un upgrade plus tard hein, sur, sur la version finalisée du truc. Mais en tout cas, voilà euh, en gros ce que je pouvais vous dire. Je vous reprends après pour euh, une petite conclusion. Bon alors je vais essayer de vous présenter avec ces deux caméras euh, la façon dont bouge, l'amplitude dont bouge ce site mover, comme ça vous allez pouvoir un petit peu voir en statique, euh, c'est-à-dire sans jeu, voir comment ça se, ça se présente. Alors il y a deux options forcément, comme je vous l'ai dit, euh, deux doff. Euh, on va partir d'abord sur le Sway, donc comme je vous ai expliqué précédemment. Là, je vais y aller doucement, vous voyez alors les à-coups qu'on voit, c'est simplement l'écran qu'il peut y avoir sur le pas du moteur, ça ne vous inquiétez pas. Donc on voit bien l'inclinaison, je vais le faire aller plus rapidement. Voilà. Vous voyez l'amplitude, là je suis à euh, presque moins 100. Voilà. Voilà, là je suis à 100. Et on va se remettre à la base. Voilà. Donc ça paraît peut-être pas énorme, effectivement, mais en jeu, vous le sentez vraiment bien. On va se mettre de l'autre côté avec le surge. Hop, donc là sur l'autre caméra. Donc pour gérer l'accélération et le freinage. Vous voyez je vais de quasiment moins 100, je suis pas totalement à moins 100. Hop, là j'y suis. Et là on est. Hop, j'y suis pas non plus. Voilà, 100. Et on revient à la normale. Voilà, voilà en gros ce que ça donne. Vous avez vu un petit peu les deux. Je ne vous montre pas le Yves qui simule plus ou moins le... le les boss, entre guillemets, mais ça n'a pas vraiment d'impact hein, dessus sur un 2 off, ça n'est vraiment pas, je sais même pas ce que ça fait là. Bref, voilà pour le statique, en tout cas pour vous montrer l'amplitude de ce site mover. On passe à la suite.